Et salut YouTube, on est reparti pour du BioShock Infinite pour la dernière ligne droite en fait, parce que nous allons commencer l'épisode 2 du tombeau sous-marin. Donc voilà, pas besoin de faire précédemment, hein. Il n'y a pas très longtemps, on va se mettre en moyen, on s'en fout. Ok, en vrai j'aurais même limite pu me mettre en facile pour torcher ça un petit peu plus vite, mais tout va bien. Great things. They were right. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Head to Ryan's office and kill the son of a bitch. Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Donc là on vient de revivre les cinématiques du premier, enfin l'aventure du premier quoi, avec la good ending. Sally, viens me voir. Elle n'était pas à vous, Comstock. Elisabeth, je suis désolé. Non, c'est faux. Mais vous le saurez bientôt. Je vais me faire DMCA. Mademoiselle? Oui? Quel est votre nom? Elisabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, non! Non, 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 je ne peux pas. C'est beaucoup trop. Je vous en prie, j'insiste. Oh, merci. Des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Et voilà, ça va, merci, mais c'est là-dessus qu'on part sur une suppression. Bonjour, de chaîne Twitch. Bonjour mademoiselle Elisabeth, je manque d'inspiration aujourd'hui. Bonjour. Donc ça y est, dans je ne sais quelle réalité alternative, elle a réussi à aller à Paris. Bonjour. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Du fromage. Le cheese. Bonne journée. Comment ça va, Elisabeth? Bonne journée. C'est la belle et la bête, le truc. Avec si cliché. Sois pas jalouse, ma petite. Viens jouer avec nous, Elisabeth. Mais bien sûr. Et Cosette. La prochaine Cosette. Fois, c'est promis. Ah, dommage. Bien le bonjour, bonjour, Elisabeth. Mademoiselle. Oh, je vais me chercher un livre. Vous vendrez tous les livres que vous voulez. Et pour pas cher, en plus. Et bonjour. Bien le bonjour, Elisabeth. Comment allez-vous? Bonjour. Une baguette, mademoiselle? Bah, bien sûr. Une baguette? Le ciel est bleu et vous êtes resplendissant.
camembert, brie de mou, les meilleurs fromages. Brie de mou. Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux. C'est un vrai Disney quoi le truc. Ça, c'est une phrase qu'on connaît, ça, l'oiseau ou la cage. Il était répété beaucoup de fois dans BioShock Infinite. Ah! Sally? Sally! Très bien! Sally! Pourquoi elle a pris un accent d'un coup? On a eu la VO d'un coup là. Bon bah. Au revoir le Disney, hein. Et bonjour BioShock. Attends! Sally, stop! Reviens! Sally, où tu vas comme ça? Reviens! Sally, arrête-toi! Raté. Encore raté. Ça, c'est pas de chance. C'est quoi ce bordel? Allez, on peut bien s'amuser un peu, classe. On n'est pas au stand de tir, colle-lui une balle. Pas la peine de la torturer. On n'est pas des animaux, tu sais. Ok, ok, ok. Laissez-la! Un peu de calme, petite. Dans une minute, tous tes problèmes vont s'envoler. Elisabeth, dis-lui que tu peux le ramener. Booker? Booker? Quoi? Je comprends pas. Vous... Comment? Dis, je peux vous ramener à Rapture. Hein? Fais ce que je dis. Je peux vous ramener à Rapture. Range-moi ce flingue. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rapture? Je peux vous ramener à Rapture. Et comment tu comptes t'y prendre, fillette? Tu vas faire quoi? De la magie? Souchong. Hein? Dis-lui Souchong. Souchong. Comment tu connais le génie aux yeux bridés? Tu es son assistante. Je suis son assistante. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais ce cher Andrew Ryan nous a enfoncés à 5000 lieues sous sa jolie ville chérie. Comment Souchong va faire pour nous remonter? C'est entre moi. C'est entre moi. Et le jaune. Et le jaune. Mais si je fais ça, vous me rendez la fille. Les petites sœurs valent un gros paquet de pognon. Pas question de la laisser partir. Si j'ai bien suivi, là-bas en ville, ils produisaient des petites sœurs comme s'il en pleuvait. Elle est très jolie, ton histoire, fillette. Mais si tu te fous de moi, on peut tout aussi bien te tuer demain. Ici, c'est pas le temps qui nous manque. Si j'ai besoin de te contacter. Et quand tu verras Souchon, dis-lui... Atlas dit qu'il pense bien à toi. Thank you.
ici. Prends la radio. Vous n'êtes pas Booker. Bien sûr que non. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Je n'ai pas enlevé cette fille. Je n'ai pas tué ses parents. Ouais, mais elle a fait un appât exceptionnel. Je me trompe. Je n'avais pas... J'ai tout ressenti. Tout ce qu'ont vécu toutes les versions de moi. Tout ce savoir, c'est... Rip Booker, hein. À fin de la part 1. Cette version de moi, elle a tout perdu. Et Comstock, ce dernier Comstock, il a cru échapper à sa culpabilité en venant ici. Tu lui as donné une bonne leçon. Et alors, qu'est-ce que je fais là? Hein? Je n'ai pas le souvenir d'avoir ouvert une faille pour revenir. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je crois que tu le comprendras bien assez vite. Trop de questions. J'étais à Paris, j'étais heureuse. Et je me retrouve ici, à parler à Atlas, ce psychopathe. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'était pas vraiment Paris. Pas plus que je ne suis Booker. Et maintenant, je dois trouver ce Souchong. Et je ne sais même pas qui ça peut être. Pas encore. Mais tu sais qu'il est la clé, non? Quelle clé? C'est à moi que tu le demandes, Elisabeth. Je ne suis même pas là. Que vous êtes, hein? Et comment saviez-vous ce qu'il fallait que je dise à Atlas? Laisse-moi te poser une question. Je me sens comme toi-même, Elisabeth. Je me sens bizarre et plus petite. Je vois plus les portes. Ce que cachent les portes, je vois plus l'avenir. Je n'arrive plus à voir les failles. N'approchez pas! Booker! Non! Non, non, pitié! Pitié, non! Je suis morte ici. J'ai été tuée par ce... Ne m'approchez pas! Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Comment je peux être morte dans ce monde et... Mon toit! Qu'est-ce que je suis, hein? Je comprends pas, je... Quitte à finir tous les deux au même endroit, j'ai l'intention de profiter du voyage. Tu joues les charmeuses. J'ai réfléchi, je suis de ton avis. Ah tiens. Oui. Je pense qu'on peut changer les choses. Mais qu'une fois qu'on y arrive, on finit souvent par le regretter. Tu es fataliste. J'ai fait ma liste. Fataliste. Newton aussi. En particulier pour ces histoires de pommes qui tombent des arbres. Il faut toujours qu'elles viennent s'écraser. Elle a abandonné l'enfant. Tu es en train de la traiter de pomme? Je dis juste que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Et maintenant, elle veut y retourner. Je dois y retourner. Pour réparer mon erreur. Retourner là où elle n'a pas sa place. Là où elle n'est pas censée être. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui se charge de lui dire, toi ou moi? Parce que je suis morte. Il y a des règles. Même pour quelqu'un comme toi. Elle oubliera tout. Toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Elles sont toutes fermées. Elle va redevenir l'une des nôtres. Elle oubliera le passé. Le présent. Et l'avenir. Et je te parie qu'elle oubliera même cette conversation. Nous y sommes. Tu laisses l'omniscience et les croissants pour la mort et la rouille. J'ai abandonné Sally. Pourquoi? Pour pouvoir punir Comstock? Il essayait de l'aider, de la sauver, et je... Si je ne répare pas mon erreur... Nous avons tous une croix à porter. Mais la frontière est mince entre martyr et imbécile. Les lutesses m'ont prévenu que si je revenais ici, je perdrais tout. Comment ça? Plus de... De superposition quantique. Je serai moi. Mais de quoi tu parles?
J'ai changé, Booker. Fini les failles, l'omniscience. Une fille comme les autres. Avec tous ses doigts. Et si... si je n'ouvre plus de failles... Je vais rester ici, c'est ça? Je ne rentrerai jamais à Paris. Vous êtes quoi? Un simple fragment de mes souvenirs? Pour m'en dire plus sur mon avenir? Tu es là de ton propre chef, Elisabeth. Tu connaissais les règles. D'après moi, ta seule option, c'est de te faire confiance. Trouve Souchong. Eh ben, il s'en passe des trucs. Tant d'interrogations. Mais ce que je comprends pas trop, c'est que pour moi ça se passe pas du tout dans la même ligne temporelle que BioShock Infinite. Pour moi c'est carrément une autre Elisabeth, un autre Booker, un autre Comstock, etc., etc. Booker et Comstock qui sont les mêmes, on le rappelle bien évidemment. Mais pourtant le jeu, j'ai l'impression qu'il essaye de forcer pour te faire comprendre que... Je vais devoir utiliser ce capteur. Ça ne me dit rien qui vaille, je ne sais pas si... Ça reste la même. La tête fera aussi bien l'affaire. Et puis surtout, ça fera moins de bruit. Oui, mais ce n'est pas ce que vous auriez. Je ne suis pas Booker. Rien ne t'oblige à... Ça reste la même timeline. Je comprends pas trop. Tu le sais. On verra bien. Chut. J'ai entendu un bruit. Le verre, l'eau, ils entendent, ok. Académie préparatoire de Ryan le Lion. Les tapis étouffent les bruits de vos pas. Tu vas devoir le surprendre. Et en silence. Il n'entend pas ce qui se passe dans ta tête. Il ne risque pas de se relever de sitôt. Et quand il le fera, il aura toujours sa tête. Mais les choses ne vont aller qu'en s'empirant. C'est à toi de trouver une solution. Les enfants, c'est comme l'argile, Bradburn. C'est à nous d'en faire des urnes grecques, plutôt que de la boue. Plus on les prend jeunes, et plus on peut les façonner. Henri, rapporte la bouteille de la casse, le single malt tous en âge. Mrs. Turner, throw a parasite you met today, Mrs. Turner. That is girlfriend, mommy. Ah oui, carrément. N'espérez pas que je vienne vous choisir. Bien, prenons son crochet. Quelqu'un derrière la porte, on dirait. Pour l'instant, on n'a pas d'arme, hein. C'est en... on est en mode full discrétion. Can we play? J'ai l'impression. On va se faire une petite partie de basketball. Learn how to pick locks. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Ok. C'est assez simple. Wow. Une serrure à 6 broches. Oh, mais il y a une alarme. Ça pourrait servir, cela dit. Appuyez sur X pour toucher une broche neutre et déverrouiller la serrure. Une broche rouge déverrouillera la serrure mais fera retentir une alarme. Ok. C'est tout. Mais ils dorment du coup, ils sont juste assommés. Appuyez sur nana pour utiliser un kit de soins. Boum. Je suis venu vous parler de Peter le parasite. Si je fais un gâteau, n'est-il pas à moi? Mais du coup, pourquoi on a une barre de vie si on n'a pas d'armes? Je me demande ce qui se passe si on se fait repérer du coup. N'ai-je pas le droit d'acheter des bonbons si ça me
dit Peter le parasite. On a moyen quand même de se battre. Je ne dois acheter que des fruits et des légumes. Si j'ai les moyens de voir un docteur, est-ce mon problème si les autres... Examinez l'ours. C'était quoi ? Tu le sais bien, non ? Les portes, elles commencent à s'entrouvrir. Mes souvenirs de l'avenir et d'un endroit où je vais aller. Tu es sûr que c'est ton avenir sinon, que tu vois ? Lequel ce serait ? Prendre l'arbalète. Ah. Je crois que ça y est, on va commencer à se battre. On va se battre. Tu es sûr que tu es prête pour ça ? C'est une arbalète. Le carreau est imprégné d'un agent somnifère. Sûrement de la phencyclidine ou du thiopental. Parfait. Il y avait beaucoup de livres dans ma tour. Comment vous croyez que je savais toujours quelle munition vous lancer ? On peut savoir, sans pour autant être prête. Et si vous demandiez à Comstock à quel point j'étais prête ? Le sang de ton père coule dans tes veines. Mais rien ne t'oblige à l'avoir sur les mains. Et ça dépend de toi. Ryan, le lion de mes... L'approche furtive est à la fois plus sûre et plus efficace. Approchez-vous discrètement de vos ennemis, attaquez-les au corps à corps pour les assommer. Si un ennemi vous repère, cachez-vous vite et ne faites pas de bruit. Ceux qui ne sont pas capables de créer voleront toujours les créateurs. Où est votre compassion ? Demande Peter le parasite tout en vous faisant les poches. Vous connaissez ce mot, compassion ? Vous le trouverez dans le dictionnaire à côté de mensonge. Très bien, les enfants. Que nous te cache, petite ? Absolument partout. La cloche a sonné. L'école est finie. J'espère qu'on retiendra tous la leçon. On peut prendre ça ou pas? Maintenir pour prendre canon à main. J'ai sur RB pour afficher le menu des armes. Ok. Ça n'a pas changé. On a quand même des vraies armes. Est-ce que... Ouais, alors pour le jeu, faut que j'aille là-bas. Je vais juste aller checker ici. Du harcèlement, c'est tout ce que c'est. On passe son temps à fourrer son nez dans mes affaires, pourtant hautement respectable. Des occupations criminelles ? Des mensonges et honteux, oui. De la bouche même de ceux qui ont trop peur de laisser le marché suivre son cours. C'est dingue comment on les entend de loin, quoi. Une loi contre la corruption, non mais... Et pourquoi pas un type pour venir m'expliquer comment faire mes besoins aussi ? Ce sera quoi après ? La loi martiale ? Un gros Richard ? C'est comme ça qu'ils appellent un type qui a réussi ? Qui n'a reculé devant rien ? Qui s'est montré intransigeant ? Arrêtez de parler désormais. Exit, ok. Donc j'imagine que si ça nous ramène à la salle. Ouais.
Ok. Là, Souchong. C'est le nom que vous m'aviez dit de dire à Atlas. Je ne te suis pas. Il semblerait que ce Souchong se soit approprié le restaurant Silverfin. C'est là que se trouvait la faille que j'ai traversée quand j'étais à la recherche de Comstock, avant que l'endroit ne soit transformé en prison. Mais ta première visite à Rapture, c'était en 60. Avec Booker. Pour noyer ce son... Ce sera dans plus d'un an. Ouais, c'est vrai, je... Quand je voyais toutes les portes, je comprenais tout. Mais maintenant... Maintenant, tout est flou. Elisabeth, tu es blessée. Maintenant, je sais ce que ça fait. Très bien, si on veut trouver Souchong, commençons par le Silverfin. Je connais le chemin. Ok. Bah, pas moi. Allez au restaurant, le Silverfin. Ah. On a un petit film. Des hommes et des marchés libres. Are you in the know? In the know. There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Now you know. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? On a des munitions, on a des carreaux à 15$, poche à 18$. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'argent. Comme le dit si bien la machine. Ouvrir la porte ? Ah, je peux faire ça ? Ok. Regardez ça. Le sexe sans compromis. Are you in the know? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed heroes. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy Sexual Congress the Rapture way. Il y a même des règles pour les coïts, quoi. Incroyable. Ah. Ah bon? Ça aussi, je connais. En arrivant, il a fallu que je trouve des vêtements un peu plus appropriés pour Rapture. Des vêtements un peu plus appropriés, t'es venu ici? Ah ouais.
Chère madame, j'ai bien reçu votre lettre concernant notre nouvelle ligne de plasmide petit curieux. Et voici ma réponse officielle. J'ai fouillé un portefeuille, mais... Nous sommes à Rapture, madame. Où il était ? Ce que font mes clients avec mes produits, ne regardant rien. Si vous vous sentez mal à l'aise, je vous invite cordialement à tapisser de plomb les murs de votre salon. Si vous le souhaitez, je peux d'ailleurs vous fournir... Ce n'est pas le genre de livre qu'ils avaient dans ma tour. Petit curieux. Devenez invisible. Voyez à travers les murs et faufilez-vous derrière vos ennemis. Pas mal ça. Des chrosomes. Classique. Je peux utiliser ce plasmide pour les voir à travers les murs. Ou dans le pire des cas, me rendre invisible et les surprendre. Parce que vous êtes maintenez alté pour devenir silencieux et invisible. On peut juste se casser aussi, on n'est pas obligé de se les... Tiens, qui voilà ? C'est sa robe, la fameuse. Voilà où elle l'a trouvée. Combien de fois j'ai demandé à Antonio de nous trouver des casiers qui ferment vraiment ? Quand je suis rentrée de déjeuner, la tenue que je m'étais achetée avait disparu. Ah. Mais le plus dingue, c'est que le voleur m'en a laissé une autre en échange. Au début, j'ai pensé à l'acheter, et puis je me suis dit qu'elle était pas si mal. Oh, c'est un peu vieillot, avec un corset et tout. On peut pas dire que ce soit vraiment à la mode, mais je sais reconnaître de la qualité quand j'en vois. Trop marrant. Congé prolongé depuis quoi ? 15 ans maintenant. Je travaille un peu, mais je voudrais vraiment me remettre à la comédie. Je suis toujours prêt à enregistrer un disque ou à monter un spectacle. Il a répondu qu'il m'appellerait. Ouais, du coup, ça part assez vite. J'ai une broche bleue pour déverrouiller la serrure et libérer un leurre sonore. Vous avez trouvé un leurre sonore, équipez-vous-en et lancez-le vers les fenêtres sur la droite pour éloigner les chrosomes de votre chemin. Vous okay. êtes venu à Rapture parce que c'était à la mode ? Ou bien parce que vous cherchiez à accomplir quelque chose ? Si vous ne gardez pas une longueur d'avance sur le monde, vous ne serez rien d'autre qu'un suiveur. Ok. À plein de petites. Avant, je pouvais tout voir. Petite mécanique. La moindre possibilité. Et maintenant. Tu es redevenu comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que je suis morte ici ? Je ne peux pas aider Sally si je suis comme tout le monde. Je ne peux même pas retourner où j'étais. C'est la question, jeune fille. Pourquoi est-ce que tu parles toute seule ? Si j'avais su que t'étais cinglée. J'aurais réfléchi à deux fois avant notre accord. Vous pouvez me faire confiance. Mais ne touchez pas à un cheveu de la fille. Tu n'es pas en position de dicter les règles. Mais je dois dire, j'aime bien les filles qui ont du répondant. Un ennemi, ça ? Il a pas l'air. Vais sur alté pour allier des ennemis. Il fait là lui. Quelqu'un lui dit qu'il est pas au bon endroit ou? Je
première fois que j'entends un fait pareil. Ne partez pas! Nous allons en fabriquer beaucoup d'autres. C'est lui. Oh, c'est le protecteur. Celui qui m'a tué. Tu ne peux rien contre lui. Comme Stock l'avait eu, mais il s'est relevé. Et moi, je ne peux rien faire. Je ne dois pas l'approcher. Mais si je reste prudente, il pourrait m'être utile. L'ennemi de mon ennemi. Voilà, vous avez peur. On va essayer d'aller à l'essentiel. Je ne suis pas la première à tenter d'entrer ici. Je crois qu'il y a des chromosomes tout près de moi. Restez moi-même. Alors me voilà, devant vous. Authentique. Il doit être juste en dessous. Il s'est fait tirer dessus en essayant d'entrer chez Souchong. C'est quoi ? C'est les plans du bâtiment. C'est ça en plus. Apparemment, le chauffage venait de cette pièce. Donc, en toute logique, l'appartement de Souchong est relié au système. Ah. Mais attends. Ah ah. Caché derrière une armoire. Souchong n'était pas exactement le roi du subterfuge. Pas trop, non. Mais... Je crois que j'ai pas le choix, hein. Je peux peut-être passer sans utiliser de trucs. Juste pour me régène. Examiner la serrure. Ah. Ok, bon, ça vaut pas vraiment le coup, je pense pas. Hein. Mais on saura qu'il y a des serrures sur les tourelles. Le fusil à pompe. Elisabeth Comstock, enfin, statue de Comstock, Booker, cité volante. Il y a des choses ici, il y a des choses.
machine des Lutèces ? Souchong ouvrait des failles ? La faille est toujours ouverte vers Columbia. Les plasmides, les toniques. Fink et lui devaient communiquer, partager des secrets. Comme les Lutèces avant d'être physiquement réunis. Pourquoi je me suis envoyée ici ? Quel est le rapport avec Sally ? Tu te souviens, pas vrai ? De ce qui ne s'est pas encore passé ? Je vous l'ai dit, je ne suis plus capable de... Entre toi, Elisabeth. Non, les portes sont fermées, elle... La particule des Lutèces. J'utilise leur particule. Si elle peut faire voler une ville... Elle peut remonter une prison. Je ne peux pas ouvrir de faille, mais avec cette machine, on pourrait rentrer à Columbia pour trouver une particule. Si elle fonctionnait. Répare-la. Bien sûr. Vous savez, je n'avais pas le mode d'emploi de la machine des Lutèces dans ma tour. Tu peux le faire. C'est ça. Elisabeth, tu en es capable. Ok. Ok, il y a forcément des informations quelque part. Ils sont en train de relier Rapture à Columbia, là. Je me demande ce qui... ce qui va se passer, là, mais... Lutèce 1, Lutèce 2. Ça devient de plus en plus intriguant, là. De documents sur la machine des Lutèces. Ah yes. Ce sont des éléments. Sodium, le titanium. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les plans d'un... C'est un code. Le chiffre de Wigner. Depuis l'hydrogène qui est le A jusqu'au fer. Le 26e élément qui est le Z. Il te fallait toujours un codex. Le voilà. Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un égocentrique. On dirait qu'il essayait de réparer les pièces endommagées. Un tube cathodique, un absorbeur de CO2 et un refroidisseur. Je trouverai le tube cathodique dans un distributeur. Et on trouvera un absorbeur de CO2 dans le magasin de Batisphère. Beaucoup de modèles en ont. Un refroidisseur, ça... Je me demande où en trouver dans un grand magasin. C'est parfait. Ok, Jimmy Neutron. Je trouve ces pièces. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à réparer la technologie la plus sophistiquée jamais inventée. Elisabeth, tu t'es vue la réparer. Je sais que tu peux le faire. Si vous le dites, j'imagine qu'on ferait bien de trouver une sortie. Atlas, vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. De l'aide ? Je suppose que tu n'as pas encore réalisé le miracle promis. J'y travaille. Je vais avoir besoin du plasmide hiver d'antan. Tu devrais essayer l'endroit où ils essaient les bathysphères. D'après ce que j'ai compris, c'est grâce à cet hiver d'antan que leur batterie évite de s'enflammer au bout de 5 minutes à peine. Merci. Y a vraiment pas de quoi. Mais c'est la dernière fois que je te viens en aide. Ah, super. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Ryan m'avait fait expulser de mon propre restaurant pour leur filer à Scoria. C'était une bonne affaire que j'avais là, vous pouvez me croire. J'aurais jamais dû parler de cette lumière à personne, ou de ces bâtiments que j'ai vus dans le ciel. Et puis surtout, j'aurais jamais dû parler de cette fille qui... de requis, hiver d'antan. Avec sa robe bleue à l'ancienne. On va essayer de se faufiler, d'aller trouver les trucs qu'il nous faut. La punition quand on touche aux machines de Souchong, c'est... Est-ce que c'est fait exprès, hein ? Même pour une jolie demoiselle. Alors c'est vous, Souchong ? Gardez vos munitions. Votre machine ne marche pas. Si, elle marche. C'est du sabotage. C'est de votre faute. Mais j'ai bien l'intention de la réparer. Enfin,
À moins que vous ne comptiez descendre ici pour vous en charger vous-même. Ce ne serait pas prudent pour moi de retourner au labo. Mais vous pouvez faire ça. J'ai décrypté votre code, non? Donnez-moi celui qui ouvre cette porte et on verra ce que votre création a dans le ventre. 1, 2, 1, 6. Votre date de naissance? Taisez-vous! Au travail! 1, 2, 1, 6. Comment tu as su? Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un égocentrique. On se faufile. Ah bah il y a le distributeur. J'imagine que c'est lui. Yes. Cette machine, on y trouvera notre tube. Voilà, il nous reste à trouver le plasmide hiver d'antan et un absorbeur de CO2. Beaucoup de choses. Oublier qu'il y a un protecteur dans le coin. Hein. Et celles-là, elles sont belles. Elles sont toutes neuves. Pour l'occasion. Je sais parfaitement comment pensent mes clients. Je rentre dans leur tête. Ils ne voient rien venir du tout. Je suis prêt. Je m'achète des carreaux. Coûte cher. Hein. Ils arrivent sur moi là. C'est le moment où je meurs ou... Je vous permets pas de me parler comme ça. Vous me devez le respect. Juste parce que je suis un vendeur, vous croyez pas. Ça fait un bruit. S'il y a des bathysphères, il y a forcément des absorbeurs de CO2. Si vous ne retirez pas le dioxyde de carbone des réserves d'air de votre sous-marin, vous étoufferez. C'était le côté positif de Rapture. De nouveaux livres à étudier. On cherche une bathysphère long courrier où l'accumulation de CO2 limiterait la durée d'immersion. Je sais pas si il s'est suicidé ou s'il s'est fait poignarder, mais... Ok, ah non, il s'est fait bonheur de par Atlas. Ok, au moins il laisse sa signature. Sneaky, sneaky. Tout va bien. J'ai déjà vu tout ça se produire. Tout, je savais tout ce qui allait se passer. Et maintenant... Maintenant, c'est le noir complet. Tu as une bonne raison d'être ici. Une dette. Si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Cet Atlas. Il va falloir que je le tue. Parce que ce sera lui ou moi. Oui, peut-être. Je ne suis pas comme vous, Booker. Un héros de guerre. Je ne suis même plus moi. Plus de failles, plus d'omniscience.
Appelez ça comme vous voulez. Il me reste ce que j'ai appris dans les livres. Et quelques crochets. Et encore, je suis pas sûr qu'il nous en reste là, des crochets. Pas sûr de cette information. Le mégaptère. Un engin vieux comme Hérode. Mégaptère. C'est vraiment du bas de gamme. Il faut porter de l'oxygène et un masque. On n'y trouvera pas d'absorbeur. C'est l'ancêtre de la bathysphère. Oh. La blinde de crochet. Là, le Stingray. Temps d'immersion 90 minutes. C'est ce qu'on cherche. Ok. Ils l'ont monté bien haut. Les mécanos ne l'ont pas hissé à la main. Il faut trouver les commandes. Se déplacer avec ça, mais j'ai peur de faire de me faire voir. Me cacher derrière la caisse. C'est ça qui me manquait. Et je compte bien réparer ça. Eh bien, j'aimerais qu'il soit beau et intelligent, et puis sûr de lui, aussi comme... Mon camarade n'est pas très en forme. Allez, viens te battre à la loyale. Et ils ont remarqué le corps. Comment tu peux donner un sens à ta lâcheté? Où t'étais hier soir? T'étais sorti. Plus personne? Bien, apparemment, j'arrive encore à effrayer mes adversaires. Je te préviens, je ne me laisserai pas faire aussi facilement. Oui, les gens me dévisagent toujours quand j'arrive. Revenez! Nous pouvons surmonter ça, ensemble! On passe son temps à fourrer son nez dans mes affaires, pourtant hautement respectable. J'entends à parler dans mon dos. What? Des occupations criminelles? Des mensonges éhontés? De la bouche même. Bizarre ça. Trop peur de laisser le marché suivre votre cours. Viens te montrer, et vite. J'ai pas que ça à faire. Un crime. Le coupable traîne peut-être encore dans le coin. Pas vraiment censé le voir, mais bon. Oui, d'accord. J'ai filé quelques pots de grains de ci, de là. Et puis quoi? Un bruit étrange. J'ai quoi? Vu où t'as filé. Je l'ai bien dit à Sander Cohen. Je suis toujours prêt. Oh bah, y en a un qui me voit, mais...
Dis pas qu'il est genre derrière la porte. Je comprends pas trop. J'ai vu où t'as filé. Je crois que. Bien entendu, je crois que j'ai un petit peu fail là. Les bâtiments sont construits au-dessus des flots. Mais nous les abaisserons sur un anneau immergé dans les cadres en acier de la structure. Tout cet acier, vous dites-vous sans doute. Comment allons-nous faire pour dissimuler un achat d'une telle envergure au gouvernement? Dans l'eau, tout flotte. Nous ne fabriquerons pas des cadres en acier, mais en aluminium. Les chacals du gouvernement me soupçonneront peut-être de bâtir une force aérienne, mais certainement pas une ville. Si vous attaquez au corps à corps un ennemi conscient de votre présence, vous ne ferez que l'étourdir. Ça ne sert à rien. Il ne fait que la repousser. C'est comme ça que tu veux les mettre KO. Faut pas qu'ils te voient venir. Ces derniers temps, j'ai pris ce qu'on appelle un congé sabbatique. Ok. Et une cinématique. Oh putain, je reviens ici. Oh, c'est grave par contre ça. C'est grave, c'est grave. Moi ce que je crois, c'est qu'on veut s'en prendre aux honnêtes gens qui travaillent dur. Je croyais que Rapture aimait les hommes d'affaires. Que si je descends direct ici et que j'essaye d'ouvrir la porte, ça passe? Ok. C'est le speedrun, c'est le speedrun. Je sais ce que vous cherchez. Alors, où est-ce que ça mène ça? J'ai une super affaire à vous poser. Ça descend alors que je suis censé monter. Ah, mais c'était ici. Ah, c'est un moyen d'aller rapidement en haut. Putain, j'avais même pas remarqué. C'est pas fini. Ça n'est pas fini. Je vais être en retard pour ma réunion. Qu'est-ce que vous avez dit? Comme toi.
Ça risque de faire du bruit. Quelque peu. Oh oh. Allez, ma jolie. Venez, on va discuter. Hein? Ne laisserai pas disparaître comme ça. Les portes vont jusqu'à partir. C'est un peu chaud là. Il y a genre absolument tout le monde. J'ai vu où t'as filé. Vous avez vu. Je sais pas s'ils vont tous arriver là. La spatialisation en plus, laisse tomber dans ce jeu, t'entends des bruits de partout. Je pense qu'ils sont tous au-dessus. Ah bah non. Attends un peu que je te retrouve. Dans une merde. Ah ouais. Il y a toute la famille. Et peut-être les éliminer avec le fourneau radar. Un peu surpris lui. Je pensais qu'ils étaient déjà tous partis. On va miser sur le fait qu'il n'y aura plus personne derrière nous. Un enfant star. Un enfant star. L'avantage c'est qu'on les one shot au corps à corps. Le problème là c'est la femme. Donc j'arrive à m'accrocher en hauteur. Il y a peut-être qu'elle va venir voir le corps. Bah tu vois à ce moment là. On aille là-bas, nous. C'est qu'il y a lui qui nous embête un petit peu, là. Psychologie. Ok. Chérie, t'es dans la chambre. Parfait. Il ne manque plus que l'hiver d'antan et on a tout. Ok. On arrive juste à se casser d'ici maintenant. Normalement, par là c'est bon. J'ai entendu. C'est parfaitement clair. Ensemble, nous referons le monde. Et en dessous là? Vous battez en retrait. Ou c'est à côté? Comme un primitif. À côté. Je sais très bien où tu te caches. What the fuck? Il vient d'où lui?
Où tu viens, mon bonhomme ? Disparaît avant que j'aie le temps de faire mon diagnostic. Pourquoi est-ce que tu viens me rendre visite ? Ok. On a eu de la chance sur la... le placement. C'est chaud, hein. On n'a pas l'habitude de jouer discretos. Je commence à être un peu sceptique. Rappelez-moi, en quoi est-ce que ça m'intéresse ? Tu sais, mes hommes ont souvent des envies d'Adam. Et j'ai justement un grand cru à mes côtés qui ne leur déplairait pas. Si vous la tuez, j'espère que vous êtes heureux du trou dans lequel vous vivez. Installez-vous, fondez une famille. C'est peut-être qu'Andrew Ryan va voler à votre secours. C'est de bonne guerre, mais souviens-toi, on peut récolter les petites sœurs très vite, mais aussi très lentement. On me parlait plus de récolte de petites sœurs. J'ai eu ma dose. Oula. Isako. Carreau fumigène. Ok. Équipé d'un gaz soporifique qui fait perdre connaissance aux ennemis passant de son rayon d'action. Pas si mal ça. Il en restait un. Ah, je vais pas laisser filer une jolie proie comme toi. Allez, quoi ? On va bien réussir à s'arranger. Ça suffit, c'est fini. Il nous fait le coup, là. Mais non. Je sais pas vous vendre une assurance. Je bosse pas dans les assurances, moi. Non. Tranquillité d'esprit. Vous filez un bonus à Rabbit. Vous en filez un, mec. Et à moi. Quoi ? Oh oh. Ok, on peut vraiment pas sauvegarder. Ok. Pas de chance. Refroidir la machine. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais... Ouais. Juste en train de foncer, quoi. Chercher l'hiver d'antan. Toi, t'es une petite nouvelle, je me trompe. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es la seule à pas sentir comme le pavillon des reptiles aux eaux. Allez, dépêche-toi. Et prends seulement ton plasmide.
C'est pas l'armée du salut ici. Voilà, le feu est un petit peu bugué. Y a pas moyen que vous m'offriez un peu des munitions, non? Non, vraiment pas. Ouais, voilà, genre ça. Parfait. Ce mémo s'adresse au vendeur. Même si nous rejetons toutes les demandes des clients en lien avec des brûlures provoquées par, je cite, la surchauffe des bathysphères de 1958, fin de la citation, notre équipe marketing a décidé de distribuer des flasques d'hiver d'antan dans le cadre de notre nouvelle campagne promotionnelle. Il ne sera fait aucun rappel de produit du modèle de 58. Aucun! Alors, Atlas m'a demandé de trouver un endroit idéal pour notre première attaque quand on sortira d'ici. Mais bon, ça dépend surtout du moment où ça tombera, quoi. Je veux dire... Bienvenue à la farandole des prix! 5 novembre, acheter une flèche. Fête géant pour fêter la fondation de Rapture à la forteresse Folâtre. La Saint-Valentin, ben, c'est le meilleur jour de l'année en Arcadie. Et puis à la Saint-Sylvestre, ben, on pourrait aider tous les gros riches à déboucher le champagne au Cachemire, quoi. Boom. Bon, bah ça, on sait ce que ça fait, hein. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Exactement ce qu'il nous fallait. On a tout ce qu'il faut. Tu penses pouvoir réparer la machine? Mais oui, réparer les générateurs de champs quantiques, c'est ma passion. Company May Man, Bunny Man. Il faut prévenir Ryan que ça dégénère ici, et vite. Cette saloperie d'Irlandais est en train de mettre sur pied une véritable armée. Je sais bien que mon avis intéresse personne, mais... je vais vous le donner quand même. Je crois que quelqu'un essaie de décrypter un code. Nous sommes désormais certains que la carte maîtresse est prête. Elle est entre les mains de Souchong, mais il ne la cédera pas facilement. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, les 4 transmissions codées. Ouais, vite fait, hein. vite fait, hein. Tu m'as poussé à bout. Ah. C'est-à-dire que là, ils sont tous fait tuer, c'est ça? Je l'ai bien dit à Sander Cohen. Je suis toujours prêt à enregistrer un disque ou à monter un spectacle. Il a répondu qu'il m'appellerait. Allez, c'est passé tranquillement. J'ai pas toujours autant de confiance en moi que je n'ai l'air. Mais je crois que ça ne va pas. Eh bien, j'aimerais qu'il soit beau et intelligent. Et puis, sûr de lui. Aussi comme Andrew Ryan, et doué de ses mains, comme le Dr. Steinman. On va juste comprendre un peu leur pattern. Maman me disait que... je sais pas si elle va redescendre, l'autre. Alors me voilà. Devant vous, authentique et sincère. Oh mon Dieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Oh mais bon. Ok. Bon, faut qu'on retourne à la machine de l'UTS. Je me demande si je...
Puis je courrai pas jusqu'à la salle. Ok, normalement on devrait être tranquille. On ne mourra pas empoisonné au dioxyde de carbone rien qu'en mettant le contact. Ah, ce n'est pas la fréquence phosphorique idéale, mais ça ira. Ok. Et il y a quelque chose avec le plasmide à faire aussi ? Je sais pas quoi. Utiliser les vieilles dentants sur les bobines en surchauffe près du mètre de la machine de l'UTS. Ça là le Ok, ça devrait l'empêcher de surchauffer. Bien, tout est réparé. Nous sommes prêts. Allume-la, on verra bien. Toi. Qu'est-ce que j'avais dit ? Boum. Franchir la faille. On avance, on avance. On galère, mais on avance. Booker, regardez. Nous sommes sur la première dame. Récupérer la particule quantique. C'est beaucoup trop facile. La deuxième première dame était basée sur un ascenseur à particules, comme tous les bâtiments de la ville. Wow. Je l'ai lu dans le scientifique de Columbia. La particule se trouve au sommet de la structure. Il faut prendre cet ascenseur. Parfait. Ça fait beaucoup de technologie juste pour un dirigeable. Comme Stock connaissait pas l'hydrogène. Le premier modèle fonctionnait à l'hydrogène. Il a suffi d'une balle à la Vox Populi pour le détruire. Malheureusement, le prophète n'était pas à son bord. Si j'enlève la particule active, je transforme la première dame en presse-papier de 40 tonnes. Je vais prendre l'autre. Et voilà, on peut retourner à la faille. Tu crois vraiment qu'Atlas va respecter sa part du marché ? Non, mais on avisera le moment venu. Comment tu comptes t'occuper d'Atlas ? Il va se passer des trucs, c'est sûr. C'est pas un vulgaire chromosome. Il fera une erreur. Il faut juste que je sois prête à réagir quand ce moment arrivera. Oh, une fille que tu connais à peine. Parce que vous me connaissiez en arrivant à Columbia ? On peut y aller là. Que des ennuis par là. Il ah. Vaut mieux rentrer à Rapture. Ok. Pas de sous. Il vous reste encore beaucoup de travail. Hein ? Ouvrez la faille. Alimenter la machine coûte cher. Donnant. Dites-moi ce que vous voulez. Rien de bien compliqué. Une mèche de cheveux. Oh, non mais vous plaisantez. Oh les vôtres, idiote. Fink, à la bouche secrète. Vieux, oubliez. Vous y trouverez des cheveux. Dans un pot. Immanquable. Apportez-les-moi. Tout le monde sera content. Où est ce labo ? Fermé. Derrière chez Fink. Vous êtes muté. J'aurais dû m'y attendre. Eh ben super. Bon bah ben, on va pouvoir y aller. La Vox Populi.
Iron Sides. Oh, je jure, trop bien. On a dû débarquer au beau milieu du siège. Alors les deux autres nous sont sûrement déjà dans l'usine, à chercher comment rejoindre la première dame. Tu n'as pas peur qu'on tourne nez à nez avec nous-mêmes? Mais non. Comment tu peux en être sûr? Ils s'en souviendraient. Vos conseils et vous m'avez bien aidé, mais je ne ferai pas de mal au garçon. Je veux la mort de Fink et de Comstock, mais je refuse de faire payer l'enfant pour les agissements de son père. Vous nous avez mal compris. Nous ne voulons aucun mal à l'enfant. Et nous n'avons pas promis que ce serait vous qui détruiriez le monde de Comstock. Pour citer un grand homme... Comme le dira un grand homme... J'atteindrai peut-être le sommet. Mais je crains de ne jamais voir la vallée plus bas. Mais... alors il faut que je sacrifie ma... Non, à vous de choisir vos priorités. Le rôle que vous jouez. Ou la pièce elle-même. Quelqu'un approche. C'est encore une enfant. Vous devez faire d'elle une femme. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une enfant et une femme? Le sang. Le rôle que vous jouez. Ou la pièce elle-même. La forcer à tuer? Comment? Ne lui laissez pas le choix. Et elle sera contrainte à faire son choix. Petit black screen pour les faire disparaître. Il veut que j'aille le jeu. Attention, j'arrive. Je vais te suivre à la trace. Le labo de Fink. Nous tolérons ni lambinage ni fausse maladie. Oui, c'est vrai, la guerre approche. On peut la sentir. La peur, la haine, la mort qui frappe tous les jours. Mais combien seront-ils encore à souffrir si nous nous révoltons? A été réassigné. Ce soir, je dors dans le lit de Fink. Ah oui. Et avec Fink ou sans Fink? Là est la grande question. Plus ou moins.
Le mécanisme semble débloquer certaines activités au bon vouloir de Fink. Alors quoi? On attend que le coucou veuille bien sonner? Non, il y a un emplacement pour une clé qui remonterait l'horloge. Il suffit juste qu'on la trouve. Il se donne beaucoup de mal pour fermer quelques portes. Oui, c'est ce que Fink préfère, que les gens se donnent du mal. Ryan. Alors qu'on fasse toutes les salles, ça veut dire. On a trouvé la clé. Notre état actuel, ou devrais-je dire plutôt notre absence d'état, plonge mon frère dans une sorte de frustration. Il ressent fortement le besoin biologique de laisser son empreinte sur le monde. Et je ne dis pas que c'est impossible. Nous pourrions nous donner forme physique à Columbia. Retrouver notre ancienne vie, avec la possibilité de nous en créer une nouvelle. Mais nous sommes morts dans ce monde. Y retourner serait abandonner une partie de nous. Nous abandonner nous-mêmes. Nous deviendrions chers, avec tout ce que cela implique. Les secrets de l'univers retrouveraient alors tout leur mystère. Telle limace de mer et des saloperies de limaces de mer. L'autre jaune pouvait pas trouver encore moins pratique pour alimenter ses plasmides. S'il y a un dieu, ce dont vous êtes fort. Ok. On n'a pas fait la salle derrière là. Je vais pouvoir rapporter sa mèche à cet idiot. Donc on peut pas. Si, je peux quand même y retourner. Après, je suis pas sûr qu'il allait y avoir quelque chose de si intéressant que ça. Hop. On a quand même aussi un petit peu envie d'en terminer toute cette aventure. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable. Même au bunker des vies est mort. Ah, mais ils étaient là. Vous avez loupé, mince. Vous êtes là. Vous manquez. Vous êtes le seul à avoir jamais... Vous étiez mon seul ami. Booker. Mais je ne suis pas là. Je ne suis qu'une projection de toi. Vous pourriez faire comme si. S'il vous plaît. Toi aussi. Tu manquerais à Booker. Ding. Qu'est-ce qu'on a là? On a des gens de la Vox là, il y en a beaucoup. On a un invité surprise. Quoi? J'aurais mis la main dessus. Ah mais la fenêtre elle est ouverte et du coup ça allait trop loin, c'est ça? Oh, c'est terrible ce qui vient de se passer là. Où elle est passée? C'est vraiment terrible ce qui vient de se passer. Mort les porcs. Je pensais qu'il fallait qu'on aille là, mais pas du tout en fait. Ah, je peux pas retourner en haut là. C'est l'heure de mourir.
C'est l'heure du. Ok. C'était écrit quoi? Les ennemis portent une protection, je sais pas quoi. Un truc avec les ennemis qui portent un casque. J'imagine que je peux pas tirer dans la tête. Logique quoi. Notre but c'est d'aller en face là-bas. C'est vraiment derrière moi elle. Et c'est lui avec ta grosse protection là. Daisy s'est sacrifiée. Elle m'a forcé à la tuer pour faire de moi, pour me transformer en... En tueuse. Eh bien, mission accomplie. Je ne suis pas une martyre. Comment avez-vous fait, Booker? Comment avez-vous... Elisabeth, je ne suis pas Booker. Et moi non plus. Je peux pas la prendre. Mission fusil à pompe pleine. Ok. Observation and Engineering. Il y a déjà quelqu'un qui est passé ici qui a tout fracasse. Fink et Souchong partageaient leurs recherches. Comme les Lutès. Ils collaboraient entre réalités. Protecteur et le. Et le protecteur d'Elisabeth. C'est logique finalement. Les petites sœurs et les protecteurs, Songbird et moi. Ah, Songbird. Des constantes et des variables. Big Daddy. Sur les singes. Of course. Qu'est-ce que c'est que ça? Des empreintes. C'est un substitut maternel. Séparer un gorille de sa mère, il s'accrochera à n'importe quoi. Même à cette chose. En quoi ça intéresse Fink? Songbird.
Il voulait qu'il me prenne pour sa mère. Si je me souviens bien, il est arrivé à ses fins. On est vraiment sur le côté bien bien bresson de Rapture. Non pas que Rapture soit très joyeux hein. C'est quoi ? C'est une formule topologique. On est vraiment sur les dessous là de Rapture quoi. C'est une hormone qui lie une mère à son enfant, les femmes aux hommes et... Le songbird aux petites filles. Apparemment non. Fink a rejeté cette idée comme inadéquate. Wow. Ces pauvres bêtes. Comme il n'a pas pu les lier, il les a laissées mourir. Échec de l'empreinte. C'est impossible. Clairement, il y avait bien un lien entre Songbird et moi. J'étais très jeune. Je l'ai toujours connu à mes côtés. Mi-humain, mi-machine. On va apprendre que... En fait, Songbird était contrôlé par un humain. Ça doit être une sorte de prototype. Cet humain. Quelle importance. Ils ont tenté l'hypnothérapie. Sur Songbird, ça a marché. Aussi bien que vous le pensez. Vraiment que j'aille dans ce tuyau là. Ils ont pas des passages normaux. Bien les employés, tu sais. Peut-être par les ventilations. Fille dans le film. C'est moi. Mon Dieu. Je me souviens. Il s'est écrasé dans la tour. Il devait être en train de se battre. J'ai attendu. Je ne sais pas qu'il se passerait quelque chose, mais... Mais il était là. Étendu. Il gémissait. Je ne pouvais pas. Un lion avec une épine dans la patte. Tu parles d'une science. J'aurais mieux fait de le laisser mourir. J'aurais dû. Je n'y échapperai pas. L'exploitation. Oui. La mienne. La sienne. Moi, comme Stock. Vous, Sally. Une roue ensanglantée qui tourne encore et encore. La mèche de cheveux. Ça doit être l'échantillon génétique que veut Souchong. Il t'a renvoyé jusqu'ici pour que tu lui rapportes tes cheveux. C'est ce que j'allais dire. L'enfant qu'on a lié à Songbird. Mais à l'en croire, il trouvera ses réponses dans l'ADN. Pour les hommes comme Souchong, un gramme d'empathie vaut autant qu'une tonne de science. Tu les sens les ennemis qui vont débarquer là ? Si
Un vox populi. Cherchez des retardataires. Dispersez-vous. Voilà, comportement. Qu'est-ce qui se passe? Attention, j'arrive. Je me rends compte qu'après cette incroyable percée avec Songbird, il est peut-être temps de réévaluer mon accord avec le docteur aux yeux bridés. Qu'est-ce que notre partenariat pourrait encore m'apporter? Est-ce qu'il reste vraiment des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre moi-même? Souchong ne m'offrira jamais que... Des méchants, bien évidemment, ici. Hein. Et Jeremiah Fink a un plus gros appétit que ça. Est-ce que... Oh, la flèche. Ok. T'as trouvé quoi? Je sais pas. Je prends juste tout ce qui a l'air d'avoir de la valeur. Pour encore rien avoir d'autre qui se cache. Pas les mêmes que tout à l'heure. Si. Dépêche-toi. Hey, on peut savoir pourquoi tu te prends pour le chef. What? What? Le mec a lâché sa caisse pour fumer une clope. J'obéissais au chef. Au moins maintenant, j'ai plus de plus droit. Le truc, c'est que si je vais là, ils vont. Ils vont m'entendre, non? Sauf si je me mets full invisible. Ouais. Moi aussi, je peux être tranquille. Pas de nourriture, pas de salaire. Ça, j'aime bien. Comment je vais faire pour contourner tout ça? Ils étaient tous réunis là, c'était le moment de balancer un truc. Qu'est-ce que tu fais là? Attention, j'arrive.
Oh, des fois, rusher, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Ça fonctionne plus que ce que se cacher. Y aller en mode furtif. Vous pensez que Daisy avait vraiment le choix? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis en train de lui planter des ciseaux dans le dos pour protéger un enfant à qui elle n'aurait jamais fait de mal. Elle a choisi de mourir pour sa cause. Mais moi, hein? Malgré les mondes infinis, toutes ces possibilités sans fin, est-ce que j'étais maître de mon destin? Et vous? L'étiez-vous? Oui. Booker pensait que oui. Et pour quel résultat? On en revient au même point. Tous ces univers infinis. Et on se retrouve toujours à suivre le même chemin. Je suis pas sûr de suivre. Le père m'a vendu pour effacer une dette. Comstock m'a enfermé dans une tour. Et j'ai vendu Sally. Pourquoi? Me venger? Prouver quelque chose? Et pourtant, tu es là. Tu règles ta dette. Même si on la retrouve, les traumatismes se font dès l'enfance. Ce n'est pas déjà trop tard pour elle. Je crois que c'est à elle d'en décider, non? Tout comme tu as choisi de revenir ici. Rapture exploite ses enfants. Les fillettes lui servent de vulgaires incubateurs. Je ne briserai aucun cercle vicieux. Si j'ai de la chance, je le ralentirai peut-être. Juste un peu. Ah, c'est là où il y a le carnage. Et qu'elle tue. Et qu'elle tue machine par derrière. Voilà, voilà. Ouais, tout s'est déjà passé. Le changement, c'est ça qu'attendent les gens. Mais parfois, j'ai l'impression de n'avoir rien de mieux à leur offrir. Vous avez trouvé les cheveux ? Les choses qu'ils m'ont fait subir. Je n'oublierai jamais. On va attendre que le voxophone passe. La victime de Columbia. Et les victimes n'ont pour elle que la honte. Est-ce qu'il existe vraiment un sentiment humain plus destructeur que la honte? Daisy Fitzroy. Je suis corrompue de l'intérieur. Que puis-je offrir à cette révolution, à part mes sombres motivations? En définitive, qu'est-ce qui compte le plus à mes yeux? Les gens que je cherche à sauver, ou ceux que je veux assassiner? J'ai promis! Avortez-les-moi! Il y a Songbird qui était. Elle est venue nous cueillir, je crois. Mettez la mèche de cheveux dans le tube. Ensuite, ce sera fini. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le sang, la violence. Mais ça n'a aucun lien avec notre accord. Souchong! Souchong! On avait un marché! Ouvrez! Vous savez comment on appelle les gens qui entrent sans y être invités? Des voleurs. Et je ne me souviens pas vous avoir invité dans ma ville. J'avais la parole de Souchong. Yi Souchong était mon employé. Rien ne l'autorisait à faire une telle promesse. Vous voulez quoi? J'ai offert l'asile à Atlas et à ses hommes. Vous servez ces mêmes hommes dans l'espoir d'échapper à ma générosité. S'ils n'ont plus droit à l'asile, alors ce sera la liquidation. Tendez donc la main à un parasite, il tentera de vous prendre le bras. Je cherche simplement une fille qui m'a été enlevée. Une petite sœur. Je ne prétends pas comprendre ce que vous êtes. Mais je sais que vous êtes spécial. Nous pourrions faire de grandes choses. Alors je vous laisse le choix. Travailler pour moi ou mourir avec Atlas. Je n'irai nulle part tant que je n'ai pas la fille. Si vous cherchez une petite sœur, ça ne devrait pas nous empêcher de négocier.
J'en ai des dizaines. Je ne partirai pas sans elle. Mes hommes sont prêts à enfoncer la porte. Dans 60 secondes, ils entreront dans la pièce. Ils vous traiteront soit comme une fidèle employée de Ryan Industries, soit comme une fiefée voleuse. Défendez-vous contre les hommes de Ryan. Ils doivent être au moins 5 ou 6. Je dois me préparer. Des pièges. Je peux utiliser mes plasmides pour piéger toute la pièce. Ah bon ? Il faut que je trouve une cachette et que je les surprenne. Que je les élimine un par un. Booker, j'ai peur. Ils vont te sous-estimer, Elisabeth. Ils font tout ça. L'hiver d'antan améliore le projectile, profite d'une zone d'effet capable de geler plusieurs ennemis. 40 secondes. Vous savez ce que je lis sur votre visage ? L'incertitude. J'ai pas de piège. Qui est cette fille pour vous ? Enfin. 30 secondes. Et peut-être. Vous savez tout ce qu'on doit au requin ? Sans eux, la mer serait envahie par les déchets des faibles. Les hommes qui vont s'en prendre à vous ont beaucoup en commun avec ces braves animaux. Rapture doit à ces hommes ce que l'océan doit au requin. 20 secondes. Je vais vous dire quelque chose. Merde. Que vous soupçonnez déjà. Atlas ne tient jamais ses promesses. Andrew Ryan, lui, oui. Je ne peux rien pour votre salie, mais je peux vous sauver, vous. Je crois que de toute façon, j'ai pas le choix en fait, hein. Le temps est écoulé. Vous n'êtes pas un héros. Vous n'êtes pas un parasite. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Je sais pas s'ils arrivent d'ici. Merci. Quoi ? Ok. Je vais te trouver, tu sais. Complètement sonné. Je sais que c'est toi. Ah mais ça tue pas. Je sais que tu es encore là. Ah mais lui il a un masque. J'ai pas vu. On fera pas toutes les cibles aussi faciles. Pigé. Ok, pigé. On fera pas toutes les cibles aussi faciles. Pigé. Où elle est ? Je te préviens, ma petite, tu commences à m'énerver. J'imagine qu'il va venir jusqu'ici. Tu es comme un animal. Ouais, il arrive. Allez, sors ! T'as toute mon attention. J'ai gagné, Ryan. Le meilleur l'a emporté. Ce n'est pas la seule chose qui compte à vos yeux. Alors maintenant, laissez-moi sortir. C'est vraiment le chaos là-bas. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne peux pas placer la particule au plafond. La faille détruirait tout. Mais les bâtiments de Rapture ont tous été immergés sur un anneau, lui-même relié au croisement des appuis porteurs. C'est vraiment passionnant. Mais je sais pas si t'as remarqué, Ryan a envoyé ses hommes pour nous tuer. Si t'as un miracle sous le coude, c'est le moment ou jamais. Le croisement structurel a l'air d'être dans le bureau de Frank Fontaine. Si je peux y entrer, je nous ferai remonter. Il se trouve que je me suis approprié le bureau de ce salaud. Ah. Je vais faire en sorte que tu puisses accéder à l'ascenseur privé. Allez, grouille. Très bien. Bon, le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir des gens, quoi. Voilà.
quoi. Où est la race de tiens. Je vais te trouver, tu sais. Cherchez bien. Moi, je vais faire un bruit en sarcasme. Les derniers hommes d'Atlas se sont barricadés dans cette cage d'ascenseur. Welcome to the party, boy. Et on se débarrasse d'eux. T'as rien vu, t'as rien vu. Quelqu'un a vu la fille dont il a parlé? La voilà! Ça ne sert à rien, je ne fais que les repousser. Je vais me trouver, tu sais. T'as aucune chance. Ryan nous a demandé de te faire disparaître. Où elle est? Très bien, ma petite. Hé, je t'ai entendu. C'est fini. Sors pour toi, là. Petite armure. Je veux voir ta tête. Pas d'humeur à jouer à cache-cache. Allez, sors! T'as toute mon attention. J'espère que t'as une bonne raison d'être là. Si t'avais des principes, tu serais pas là, Rodi. Pauvre Télé, moi j'en ai assez. Ça lui apprendra à prendre des. Elisabeth, très bien. Ces quatre-là, ce qu'on. Je sais. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut jouer normalement, mais. Tu en es sûr. Je ne me suis pas envoyé ici. On avance. Pour rien. Le plus important. Et à qui donc parlez-vous comme ça, mademoiselle Comstock? Si je ne connaissais pas aussi bien les vicissitudes du génie, je remettrais en question votre santé mentale. J'en sais très peu sur vous, mais j'imagine que plus j'en apprendrai, plus je vous trouverai exceptionnel. Vous savez qu'Atlas va vous trahir. Et qui êtes-vous? Mon meilleur ami? Vous êtes unique dans ce monde, comme dans les autres. Mais aujourd'hui, votre altruisme mal avisé signe votre perte. C'est comme regarder Newton mourir dans l'incendie de sa maison pour tenter de sauver son. Bon. Ah. Bureau de Fontaine. Là, là, là. Toutes les colonnes porteuses arrivent dans cette pièce. Et se croisent, elles se croisent ici. Il faut que je place la particule à ce croisement, que je l'active, et la structure devrait remonter. Ok. Il y a d'autres trucs à récup ou pas du tout? Je n'ai pas le choix. Autant en finir une fois pour toutes. Il est pas ouf son bureau, hein. À Frank. Bon, croisons les doigts. Ça fonctionne. Atlas, vous sentez? Vous la tenez, votre évasion. Apportez-moi la fille. Ma mère t'a jamais expliqué qu'il fallait pas faire confiance aux inconnus bizarres. Donnez-moi la fille. Elle n'est rien pour vous. Ça, c'est bien vrai. Cette fille n'est rien. Mais toi, ma... Toi, tu peux... Ne
vous inquiétez pas. Nous l'avons mise sous calmant. Alors, on y est. Il reste plus rien du tout du Cachemire. Si Ryan ne savait pas qu'on était de retour, je crois que là, le message est clair. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette fille? S'il y a bien quelqu'un qui peut nous aider, c'est elle. Découvrez ce qu'elle sait, elle. Mais pas de blague. Elle nous servira à rien si elle est même plus capable de parler. Je m'y mets dès que l'effet du chloroforme passera. Elle ne devrait pas résister bien longtemps. Carte maîtresse. Qu'est-ce que... Je comprends rien à ce que vous me dites. On avait un accord. Je... Où est la carte maîtresse? Je vous l'ai dit, je... C'est du Tiopinta. Vous connaissez? Non. Du sérum de vérité. C'est très imprévisible. Pas assez... Ça ne donne rien. Je n'ai rien à vous dire. Trop. Je ne sais même pas ce que c'est, votre carte maîtresse. Je tâtonne encore pour le dosage. Ce monde aime les enfants, pas l'enfance. S'il y a un profit à faire, des hommes le feront. Après l'attentat au Cachemire, tout le monde avait peur d'Atlas et de ses hommes. Mais c'était sans tenir compte de la ténacité des honnêtes gens de Rapture et d'Andrew Ryan. Les bandits d'Atlas ont été évacués de la pointe Prométhée et ont pris la fuite à Port Neptune. C'est bien faux de faire en guerre. On raconte que la bande d'Atlas ne tardera pas à sortir en agitant le drapeau blanc. Deux semaines. Quoi? Tu dors depuis deux semaines, oui. Saleté de docteur. On serait mieux aidé par des chimpanzés. Le marché, c'était que je vous sorte de prison. Vous vouliez quoi? Que je vous gagne votre guerre en plus? Je te conseillerais plutôt de te mêler de tes affaires. Maintenant, gamine. Vu que tu étais la petite assistante de Souchong, si tu me disais où est passée ma carte maîtresse... Je ne sais pas de quoi vous... Je te dis, je ne suis pas docteur. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fasciné par la médecine. Je suis abonné à tout un tas de revues médicales. J'espère que quelqu'un vous explique les mots compliqués. Tu sais où se cache le libre arbitre dans le cerveau? L'entêtement. Dans le lobe préfrontal, ouais. Bon. Je crois qu'on peut le dire. Tu es toi-même un peu entêté, je me trompe? C'est Steinman qui m'a montré ça. Il est un peu dérangé, mais bon chirurgien. Il appelle ce truc-là une lobotomie transorbitaire. Tenez-la bien, les gars. Vous perdez votre Alors, temps. Si tu restes pas tranquille, je refuse de prendre la responsabilité de ce qui va arriver. Et c'est parti. Tu sens ça? J'enfonce le pic le long de ton globe oculaire. Du calme. Je l'appuie contre ton crâne. Il doit rester environ 7 mm d'os entre le pic et ton joli lobe préfrontal. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil. Je... C'était juste un petit coup. Mais il devrait pas m'en falloir beaucoup d'autres pour atteindre la partie tendre. Et ensuite, tu devrais te montrer un peu plus docile. Où est ma carte maîtresse? Je ne sais pas. Okay. Tu sais ce qu'il cache d'autre, ton lobe? Ta créativité. Ton individualité. Ta personnalité. En gros, tout ce qui te fait... Toi. Ah.
Je crois que j'y suis presque. Dernière chance, petite. Où est la carte maîtresse? Sinon quoi? Vous allez me faire un trou dans le crâne pour effacer mes souvenirs? Vous voulez que j'oublie tout ce qui s'est passé? Vous voulez que je perde tous mes sentiments? Allez-y. Tout ce que vous ferez, c'est me rendre service. Oh! Amenez-moi le monstre! T'es vraiment un héros, pas vrai? Je vais pas risquer d'abîmer la seule partie de toi qui vaille quelque chose. Tu vois, j'ai encore beaucoup d'autres moyens d'arriver à mes fins. Maintenant, ma petite, est-ce que tu connais le terme lobotomie transitaire? Non, pitié, laissez-la. C'est vraiment tout simple. Il me suffit juste d'insérer ce pic dans ton œil. Pitié, je ne sais rien du tout. Avec mon marteau. Je ne sais rien du tout. On comprend mieux avec un exemple. Pitié, pitié, non, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas. Pitié. Tout va bien. Écoute, tout va bien. Je ne peux pas lui dire ce que je ne sais pas. Où sommes-nous? Tu as vu toutes les portes et tout ce que cachent les portes. Cette carte maîtresse, elle est là? Oui. Mais je ne reconnais pas cet endroit. Tu n'es jamais venu. Mais alors comment? Tes souvenirs perdus, ce n'était pas que le passé. Tu as ouvert toutes les portes. Même celle qui donnait sur l'avenir. C'est là que je dois aller. Si tu veux. Je n'aime pas cet endroit. Et tu fais bien. Il ne me laissera jamais partir, hein? Même si je lui apporte cette carte. Alors qu'est-ce que je fais là? Hein? Si j'étais si futée, si j'avais tant vu, pourquoi m'envoyer vers une mort certaine? Pour Sally. Non, un jour je le sais, il va la massacrer et prendre son Adam. J'ai fait tout ça pour rien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? À toi de décider. Décider quoi? De te faire confiance. Je ne peux pas te dire à quoi tu pensais parce que tu ne t'en souviens pas. Mais tu es là par choix. Ici. Dans cette pièce. La carte. Je ne sais pas ce que je peux faire, Booker. Booker? Non! Pitié! Pitié, ne me laissez pas là! Booker! La clinique de Sujong. La carte est à la clinique. C'est un peu facile, tout ça. Les tourelles de Ryan sont pointées sur mon code génétique et sur celui de mes hommes. On se ferait mitrailler avant même d'approcher. Eh oui. Et c'est pour ça que c'est moi qui vais y aller. Est-ce que ça vous va? Rapporte la carte et je te fais un paquet cadeau pour la petite. Emmenez-la à ma pâtissière. Oh. Les hommes vont te montrer comment entrer. On t'attendra à la sortie. Allez, grouille-toi un peu. Dieu a horreur des flemmards. Eh bien. C'est. On s'approche de la fin et plus. Plus je me fais mindfuck par le game. Par le jeu, pardon. Protecteur. Sujong, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, enfin? Des plasmides à boire? Ça consomme 10 fois plus d'Adam que les injections, bon sang! Au cas où vous l'auriez pas remarqué, les limaces de mer, ça pousse pas vraiment sur les arbres. Revenez aux injections et laissez les têtes d'œufs du marketing s'occuper de les vendre aux crétins! Oh, elle est giga grosse, cette caméra. Coucou. Là j'entends un protecteur. J'aime pas trop beaucoup ça.
Oh, mais c'est un protecteur et des petites sœurs. Protecteur mal en bois. Coucou. Déplacer le protecteur. J'ai pas le choix. Très bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce monstre est méchant. J'ai peur. Ne l'approchez pas. J'ai peur. Regardez. Tout va bien. Il ne vous fera pas de mal. J'ai peur. Il est censé protéger les petites sœurs, lui. Vous pouvez bouger un peu. Pour moi. Non. Je ne sais pas comment vous aider. Non. Non, il est blessé. Il faudrait que quelqu'un comprenne comment le réparer. On peut peut-être... Il n'aurait pas un mode d'emploi qui traînerait ici quelque part. Ok. Je choisis mal mon public. Il y a un moyen de réparer le protecteur. Le protecteur n'imprime pas. Et sans empreinte, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa petite sœur? Elle ne l'aime pas. D'accord. Il ne l'aime pas. On est dans une impasse, c'est inacceptable. Et son détecteur d'empreinte qui ne fonctionnait pas. Pouvoir piquer quelque chose à un des protecteurs là, non? Non, même pas. On n'a pas de quoi le réparer avec ce qu'il y a ici. La flèche là parce que mais maintenant il faut peut-être que je retourne à lui en fait, il fallait juste que je lise la note, imagine, et ou pas? Ah vraiment, dis-moi tout. Lire la note. Ah oui, mais d'accord. Enfin, elle brille tellement avec la lumière que... Si cet idiot pouvait compliqué. Penser, il saurait qu'il lui faut une petite sœur pour vivre. Elle sécrète le seul type d'Adam génétiquement compatible avec lui. Sans petite sœur, pas de protecteur. Ok. J'ai peur. Je dois faire quelque chose. Gros monstre malade. Tout va bien. Tout va bien, d'accord? Je ne sais pas comment l'aider. Il lui faut de la dent. Je n'en ai pas. Gros monstre. Je ne sais pas quoi faire. Pas juste. On peut aider. Thank you.
qu'une épine dans la pâte. Ok, nice. Très bien qu'il finit bien pour cela. Une belle histoire d'amour entre un protecteur et les petites sœurs. Attends, pourquoi il y a un requin qui vient de passer là? De dehors là. On va se calmer avec les requins. Lire la lettre. Sushang, si je suis sûr d'une chose, c'est celle-ci. Vous avez le pouvoir de devenir un autre homme. Qu'est-ce que Ryan peut encore nous prendre, quand nous avons déjà tout sacrifié au nom de la découverte? Les petites sœurs sont des enfants, et oui, elles oublieront. Mais pas nous. Le souvenir de nos actes ne s'effacera que lorsque les lumières commenceront à s'éteindre. Tenenbaum. Ah, Tenenbaum. C'est ton chien. Centaurian. Très joli. Merci, papa Sushang. Brise-lui le cou pour moi. Quoi? Brise le cou de ton petit chien. Yes. Non, pitié. Brise le cou de ce petit chien, je te prie. S'il te plaît. Tu m'as fait perdre patience. Test clinique. Plasmide protecteur, lourd 255, docteur Sushang. Client, Ryan Industrie. Quelle journée agaçante. Je n'arrive pas à lier les protecteurs à ces petites morveuses. Le lien de protection ne se forme pas. Papa Sushang. Ah, va-t'en. Mais si je modifie la séquence génétique... Chute. Pour pouvoir... Papa Sushang. Va-t'en, espèce de petite peste. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? N'approche pas. Et une sacrée fin. Une sacrée fin pour lui. Voilà la carte. The map. On va prendre l'enregistreur avant, le voxophone. Ça, la carte maîtresse. Tellement de douleur et de mort pour ça. Retournez voir Atlas. Entrez dans le mur. Ça, ma vie. T'es rentré dans des murs? Apparemment. Dans des glaneuses. Sans que nous approchons de la fin, les amis. Hé, hey, petite, par ici. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Passe-la-moi. Je voudrais bien me débarrasser de cette gamine. Vous savez, Andrew Ryan m'a dit que je n'étais rien. Mais il se trompe. C'est vous qui n'êtes rien, Atlas. Oui, vous. Allez. On sait très bien ce qui va se passer. Qu'on en finisse. Ma chère, si tu insistes...
C'est quoi ça? Et qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce qui est écrit, sale petit casse? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... Je vous en prie. On tient la phrase d'activation. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est monter cette aberration de la nature dans un avion et rapture est à nous. Je vois toutes les portes et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, étrangement, je le vois, lui. Et ça me fait quelque chose, ça. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Ben voilà, la boucle est bouclée et je vais descendre un peu cette musique car droit d'auteur, on connaît. Voilà, bon, la boucle est bouclée. Incroyable cette boucle de BioShock from BioShock 1 to BioShock Infinite deuxième DLC qui est assez incroyable. Voilà. Je pense que notre aventure, c'est notre aventure sur BioShock est terminée. Et donc je vous fais des bisous sur YouTube, prenez soin de vous, et à bientôt. Bisous.